Sylvie Kerouédan, je suis responsable de la formation d'ingénieur IMT Atlantique et je suis coordinatrice et initiatrice en fait de la formation tremplin numérique avec Hélène Bréard, des Petits Débrouillards. Et l'idée c'était vraiment de se dire que dans notre établissement public qui forme des ingénieurs, eh bien on pouvait montrer que le numérique était accessible à tous. Notre objectif c'est vraiment dans un premier temps de pouvoir amener les stagiaires vers la découverte des différentes facettes du numérique, de pouvoir reprendre confiance en eux, travailler en groupe et se réinsérer aussi dans tout ce qui va être un projet de formation. Donc on va les accompagner individuellement et personnellement avec des formateurs et formatrices sur le parcours qu'ils ont envie de suivre par la suite et commencer avec eux à déterminer les envies qu'ils ont autour du numérique. Alors concrètement, on apprend les méthodes agiles, on apprend la fabrication numérique, donc l'utilisation des machines telles que la découpe laser, l'imprimante 3D, etc. On apprend à faire des sites web, on apprend de la programmation. On voit qu'ils ont pris confiance en eux, qu'ils sont capables de réaliser des choses dont ils ne se sentaient pas capables au départ. Ils ont eu des interactions aussi avec des professionnels. Ils ont, au niveau de IMT Atlantique, on utilise des méthodes qu'on a mis en place pour les élèves ingénieurs et on les développe aussi avec les stagiaires. Donc ils montent vraiment en compétences et ça se voit dans le plaisir qu'ils ont à restituer leur projet final. Il s'agit d'une formation qui a permis à la plus grande partie des stagiaires qui sont passés chez nous de retrouver le chemin de l'emploi et surtout de prendre confiance en eux. On regarde souvent les grandes écoles d'ingénieurs comme des écoles d'élite pour les élites. Pour moi, c'est une grande école d'élite pour l'ensemble de la société, pour tout le monde. Et je pense que ce programme est un programme tout particulièrement intéressant au sens où il permet l'inclusion de personnes qui ne seraient peut-être jamais venues sur nos campus et qui viennent se former, qui prennent confiance en eux chez nous et qui repartent après vers l'emploi ou vers la formation professionnalisante.